suis venu par curiosité, essentiellement. Je n'ai aucune allergie notée pour l'instant. Je suis venu parce que je connais leur concept et j'étais curieuse de voir exactement ce qu'on pouvait servir, curieuse de voir ce qu'on pouvait cuisiner. Donc pour l'instant, c'est une très bonne surprise. Arachides, œufs, gluten ou soja, voilà 4 des 11 ingrédients que vous ne trouverez pas au menu de cet établissement dans le 1er arrondissement de Lyon. Premier restaurant sans allergènes en France, Mon Histoire dans l'Assiette propose un menu varié. Le concept, permettre aux personnes souffrant d'intolérance alimentaire de sortir dîner sans se ruiner. En même temps qu'on avait cette idée, que ça germait, on s'est retrouvé en grande difficulté pour trouver des restaurants avec des amis qui avaient des régimes très spécifiques, allergiques, régimes post-opératoires, et on n'arrivait pas à aller manger au restaurant. Donc on s'est retrouvé coincé. Et c'est là qu'on s'est rendu compte du parcours du combattant et l'absence de lieux d'accueil, de convivialité. Et on a trouvé que c'était très très dommage. Le secret pour bien manger sans danger, utiliser des produits frais et favoriser les producteurs locaux. Pour le pain, pas de farine de blé, mais de la châtaigne ou du quinoa. Pour le vin, pas de sulfite ajouté. Seul entorse à la carte, du poisson et du fromage, mais qui n'entre jamais en contact avec les autres aliments. Sans contre-indication donc, chacun peut composer sa propre histoire dans son assiette.